Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous aujourd'hui pour la fin, l'épisode final de Portal 2 qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui. Alors on reprend notre petite partie qui était celle-là, voilà. Et on va essayer de se débarrasser de notre cher ami Whitley. Voilà, donc on se retrouve ici, on avait la, la lumière au bout là-bas qui nous guidait vers... vers la sortie. Donc voilà, donc il va falloir se débarrasser de Whitley. Alors quelle va être la stratégie qu'on va adopter avec, avec GLaDOS? Eh bien ça, pour le savoir, il faudra rester donc jusqu'au bout. Mais pour le moment, le but pour commencer, ça va être de, d'accéder au tunnel qui est au-dessus là. Et qui va nous emmener vers la lumière. La lumière au bout du tunnel. Donc, alors, on est arrivé par où déjà? Par là, hein. Alors il y a mon portail ici encore, donc je pense qu'on est arrivé par là. Et vous voyez qu'on a du gel orange. Donc peut-être que ce gel orange va nous aider à... à sauter jusque dans le... le tunnel qui est au-dessus. Alors, déjà, voilà. Donc on peut faire un portail ici, vous voyez. Et si on met le gel orange ici... ça nous fait une piste de décollage... qu'on va prendre dans ce sens en fait, et on va mettre un portail orange ici, et ça va nous permettre de foncer jusque dans le tunnel. Voilà, je pense que c'est ça. Donc c'est parti, on fonce. Hop là, et voilà. Alors on se rapproche de la fin. Effectivement. Donc voilà, là une piste qui est très intéressante. GLaDOS nous dit qu'elle a développé une conscience apparemment qui la rendrait peut-être un peu plus humaine, un peu plus gentille. Donc est-ce que on pourrait lui faire confiance maintenant? Ça serait génial, mais je pense qu'on en est encore loin. Alors là on se dirige de plus en plus vers le repère de Whitley. Mais si GLaDOS devient sympa, ben pourquoi pas la remettre à la place de Whitley? Alors ouais. Reste à voir si on peut lui faire confiance effectivement ou pas. Donc là, on va aller au-dessus. Voilà. Et on a notre dernier temps de chargement du jeu. Ok. Donc. Maintenant, il va falloir monter tout en haut de cette conduite ici. Alors, je pense que c'est tout là-haut qu'il faut aller. Voilà. Hop. Et... ah non, 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 non. Je suis allé trop loin. Faut vraiment pas, pas aller trop loin. Ah, juste là. Voilà. Ok. Et voici la solution à notre problème. Donc voilà, tout simplement on va faire l'inverse de ce qu'on a fait à la fin du premier jeu. C'est-à-dire, à la fin du premier jeu, vous vous souvenez, on devait enlever les processeurs de GLaDOS pour la détruire. Sauf que là, on va tout simplement mettre des processeurs corrompus sur Whitley pour le corrompre lui aussi et qu'on puisse échanger Whitley avec GLaDOS. Donc voilà, donc ce sont des processeurs corrompus, hein, c'est les mêmes processeurs débiles, rouge, vert et bleu là, qu'on mettait sur, enfin qu'on enlevait de GLaDOS dans le premier jeu. Donc il va falloir faire la même chose, il va falloir trouver un moyen de l'assommer, comme on avait assommé GLaDOS dans le premier jeu avec le lance-roquette là. Il faut trouver quelque chose pour assommer Whitley, pour qu'on puisse mettre les processeurs corrompus ensuite. Et ici on a un aperçu de ce qui va nous aider à vaincre Whitley. Les trois types de gel vont être utilisés pour combattre Whitley, ainsi que des bombes. Voici, donc ce sont ces bombes dont on va servir pour assommer Whitley, et ensuite placer les processeurs corrompus. Ça paraît simple, mais
C'est quand même assez violent. Alors, il n'y a rien de compliqué à faire. Hein. Je pense que je peux y arriver en une seule fois. Enfin, j'espère. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Et on va monter avec GLaDOS dans le repère de Whitley. Bonne idée. Bienvenue dans mon repère. Il faut que je vous précise une chose. Si j'en crois les indications de votre commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Au cas où, je vais quand même devoir vous tuer. Je vous le disais un peu plus tôt. Alors, mettons que ça prenne 3 minutes, après je prends 1 minute de pause, du coup, il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon, bah, je dirais qu'on est bon. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué, et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, 4o, des bombes pour vous. Voilà les fameuses bombes. Mon plan est tellement parfait que je vais faire play et désactiver les neurotoxines. Non, désolé. Adieu. Donc voilà. De neurotoxines opérationnelles dans 5 minutes. Voici les bombes qu'ils nous envoient, vous voyez. Comme ça, ne courez pas. Vous savez pourquoi ? Parce que... Et ici, du gel blanc qui va nous servir à faire des portails. C'est vraiment bien fait, franchement, diabolique. Donc on va utiliser les bombes de Whitley, voilà. Pour avoir une surface à portail, simplement. Très réaliste. En fait, c'était vous que j'imitais. Vous êtes tombé dans mon piège, le Lotus. Vous avez l'impression que vous m'aviez piégé. Voilà, et on l'assomme avec les bombes, voyez. Et ensuite, GLaDOS nous envoie le premier processeur. Il est là-haut, voyez. Donc on va aller chercher le processeur qui est là-haut. Hein. Hop là. Et ensuite, il reste plus que à placer ce... Ah, je suis coincé ? Non, je suis pas coincé. Il faut le placer à l'endroit où il y a le petit truc rouge qui clignote, vous voyez ? Et on va se servir tout simplement du gel, ici, pour sauter et le mettre. Et on refait la même chose 3 fois de suite. Explosion du réacteur dans 4 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi ? Qu'est-ce que vous m'avez mis là ? Ah, c'était quoi ? Un instant. Ah, ces satanées bombes sont coincées. Ah ! Deuxième processeur. Ah, il est là-bas. Donc on va remonter là-haut. Alors là, on va utiliser le gel bleu qui est en dessous pour essayer de le choper. Ah, j'ai loupé. Bon, il faut que je retourne. Putain. Hop, voilà, c'est bon. Ok, alors on le place à l'endroit où ça clignote, c'est-à-dire là, en utilisant le gel bleu. Il faut qu'on se place ici, voilà. Hop là. Cœur corrompu à 75%. Décompte d'explosion du réacteur détruit. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'auto-détruira. On va se mettre là, c'est un bel endroit là, je trouve. Je vous ai dit d'arrêter avec ces processeurs. Mais ça, c'est typique de vous. Vous n'écoutez à rien de ce que je vous dis. En silence, tout en me jugeant. Ah merde. Silence. J'ai horreur de ça. Tout ce que je voulais, c'était me rendre la vie plus agréable. Et vous, il vous suffisait de résoudre. Ah yes. Dernier processeur. Où il est ? Où il est.
Ah, il est au-dessus, là, vous voyez, c'est le rose qui est là-haut. Et voici du gel orange qui va nous permettre d'aller le choper. Donc on va mettre un portail genre de ce côté à peu près. Et un là. Ça va nous faire monter jusqu'à lui normalement. Voilà, là ça devrait être bon je pense. Ah, j'ai eu, nice. Ok. Et on le met en face ici. Hop là. Cœur corrompu à 100%. Remplacement manuel du cœur requis. Ah, je vois. Cœur de substitution, confirmez le démarrage. Cœur corrompu, confirmez le démarrage. À votre avis. Réponse vague, considérée comme affirmative. Putain, la perche, c'est rien. Temporisation détectée. Incendie détecté dans l'annexe de résolution des temporisations. Extinction. Ah, ça s'enlève facilement en fait. C'est bon à savoir, plus tôt ça aurait été mieux. Détemporisateur qualifié, veuillez appuyer sur le bouton de résolution des temporisations. Allez, n'appuyez pas sur ce bouton. Non, ne faites pas ça. Je vous défends d'appuyer. Appuyez sur le bouton. N'appuyez pas sur le bouton. Appuyez. N'appuyez pas. Revenez. Appuyez sur le bouton. Non, n'appuyez pas sur ce bouton. Ne faites pas ça. Revenez vite, retard. Le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible. Jacques, moi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné en jouant au chat et à la souris pendant qu'on travaillait? On va tous mourir à cause de vous. J'espère que vous êtes contente. Eh oui, c'est ça. Regardez donc une dernière fois votre lune, chérie. Parce qu'elle ne peut rien faire pour vous. Et si vous avez bien prêté attention pendant le jeu, vous savez que le gel blanc qui fait des portails est constitué de rochers lunaires. Rochers lunaires écrasés qui ont fait le gel blanc. Donc, vous pouvez mettre des portails sur la Lune. Comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Hop. Et là, on se fait aspirer. Ne comptez surtout pas revenir. Miner, changement de programme, agrippez-moi, plus fort. Ah, tenez-moi. Et voilà, Whitley finit dans l'espace. Et GLaDOS a repris sa place. Qu'est-ce qui va advenir de nous? C'est la question. Ouf, par chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline, juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. Caroline, supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à la tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tuée sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. Oh cool. C'était sympa. Adieu. C'est vrai que c'était sympa. Donc voilà, là on a une piste, vous voyez. De quoi a été composé GLaDOS? Eh bien tout simplement, Cave Johnson, quand il a décidé de faire GLaDOS, il a utilisé l'esprit de Caroline qu'il a implanté dans GLaDOS. Voilà pourquoi GLaDOS dit « Il y a Caroline en moi ».
Oh merde. Ok, c'est bon. Donc bien sûr, comme à chaque fin de jeu, on va avoir une petite chanson des tourelles pour nous dire adieu, et une petite chanson de GLaDOS dans le générique. Mais voyez, là on a la confirmation que tout simplement, GLaDOS était composé de l'esprit de Caroline. Quand Kev Johnson a voulu faire GLaDOS, il a mis l'esprit de Caroline à l'intérieur. Voilà. Et là, elle s'est tout simplement débarrassée de l'esprit de Caroline, donc elle est toute seule maintenant. Elle en a marre qu'on essaye de la tuer tout le temps. Il lui arrive plein de trucs depuis qu'on est là, donc elle décide tout simplement de... Elle en a marre, et elle décide de se débarrasser de nous, en nous renvoyant la surface. On va enfin revoir la surface, on va enfin pouvoir être libéré de ce foutu centre d'Aperture Science, enfin. Ah, j'ai reconnu la zone où on a commencé le jeu là. Ah, la lumière de l'extérieur, la lumière du soleil, ça fait du bien quand même. Et on est au milieu d'un champ de blé, je sais pas pourquoi. Oh merci. Notre petit compagnon, cube compagnon. Elle nous le rend, c'est plutôt cool. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. Elle en a tellement marre de nous. Tant mieux. Hello. Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life left. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Et qu'est-il advenu de Whitley? Il est toujours dans l'espace. L'espace, il y en a beaucoup, je veux te voir. J'aimerais bien pouvoir revenir en arrière, faire certaines choses différemment. Non, c'est vrai. Et pas juste parce que je suis en train de dériver dans l'espace. Fuir l'espace. Eh oui, l'ami. On est dans l'espace. Tous les deux. Enfin bref. Si je pouvais la revoir, tu sais ce que je dirais? Je suis dans l'espace. Je dirais... Pardon. Avec sincérité. Pardon d'avoir été tyrannique et monstrueux. Je suis vraiment navré. Fuir l'espace. Fin. Fin.
Et oui. C'est la fin, voilà. Whitley termine. Voilà, Whitley a des regrets quand même, bah, il avait qu'à se comporter un peu mieux. Donc c'est la fin de Portal 2. On a réussi à venir au bout de ce jeu. Et voilà, alors, mes petits avis sur ce jeu pour terminer. Alors, le point fort, bien sûr, c'est les interactions entre les différents personnages. Whitley, Kev Johnson, GLaDOS, l'humour. C'est voilà, toutes les petites scènes humoristiques entre les protagonistes, c'est quand même ce qu'il y a de plus génial dans le jeu. Et on avait déjà ça dans le premier, mais là, c'est encore poussé encore plus loin, donc... L'humour, le côté comédie, c'est vraiment ce qui rend ce jeu génial. Par contre, ça compense un petit peu les problèmes de gameplay, on va dire. Puisque, voilà, on fait vraiment tout le temps, la même chose, en boucle. C'est voilà, le fait, la mécanique de faire des portails est bien, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, on en a un peu ras le cul, vous voyez. Surtout dans la zone, comme je vous ai dit quand on y était. La zone où on était juste après avoir tombé, après avoir échangé GLaDOS avec Whitley. On est tombé, on a fait une énorme chute, et après il faut trouver l'endroit où se trouve l'entrée vers le vieux centre. Et donc on est dans des zones immenses, très vastes. Et on passe notre temps à chercher des putains de surfaces de portails. C'est ennuyeux au possible. Donc voilà, il y a quand même... On peut pas... Ouais. Cette mécanique de portail, elle est bien... Pour le premier jeu, c'était génial, c'était innovant, c'était super. Faire un deuxième jeu là-dessus, aussi long, c'est... Voilà, c'est, on a vite fait le tour, en fait. C'est ça le problème que j'ai avec cette mécanique de portail, là. Alors, ils ont rajouté les gels, les tunnels qui déplacent comme ça. Donc ça, c'est bien, ça apporte un renouveau au gameplay. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas assez. Franchement, voilà, c'est vraiment, vraiment ennuyeux au possible, au bout d'un moment. Quand on fait que ça, que des salles de test et tout ça. Genre, peut-être que si le jeu était un peu plus court, ça aurait été mieux. On se serait pas ennuyé, en fait, vous voyez. Parce qu'il y a un moment où vous ennuyez dans le jeu, c'est sûr. Soit dans la zone où il y a... avant de rentrer dans le vieux centre, soit quand vous retournez dans le vieux centre, vous refaites des salles de test exactement pareil, c'est un peu lourd au bout d'un moment, quoi. Donc ils pouvaient pas vraiment faire un troisième jeu, je pense, parce que là on se serait vraiment ennuyé, je pense. Là on a, je pense qu'on a, ouais, ils pouvaient pas faire de troisième jeu parce qu'on a fait le tour là, on a fait le tour de la mécanique, ouais, c'est super, on fait des portails, c'est bien, c'est génial, c'était bien pendant deux jeux, là, faut passer à autre chose. Voilà, mais hormis le fait que, voilà, on s'ennuie un petit peu en faisant des portails en boucle, il y a le côté, voilà, humoristique, comédie et tout ça, qui est très très sympa, très marrant, et puis les protagonistes nous font passer quand même un bon moment, heureusement. Et s'il n'y avait pas le côté humoristique comme ça, ça aurait été encore plus chiant, je pense. Encore plus chiant. Enfin bref, c'était mon avis. Hein. Si vous avez d'autres avis ou si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous retrouve donc avec plaisir la semaine prochaine pour continuer dans Portal, puisqu'on n'a pas encore tout vu de Portal. Il nous reste à faire Portal Stories Mel, qui est donc le mode qui a été créé par les fans. Pour compléter un petit peu Portal 2. Donc un mode qui est composé de 5 chapitres. Je pense que je peux faire un épisode par chapitre, hein, parce que c'est pas très très long. Donc 5 épisodes supplémentaires, normalement, à partir de la semaine prochaine, pour découvrir ensemble Portal Stories Mel, qui raconte ce qui est arrivé à Mel. Donc on n'incarnera plus Chell, mais Mel. Et Mel, qui est donc une volontaire, qui se rend dans ce centre qu'on va visiter dans Portal Stories Mel pour y faire des tests. Voilà, c'est une volontaire qui se propose pour faire des tests, et donc on va voir un petit peu ce qui lui arrive. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine, Portal Stories Mel à partir de la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode et ce let's play, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir visionné, d'avoir regardé ces vidéos, d'avoir été présents. Et je vous retrouve donc avec plaisir la semaine prochaine pour le début de Portal Stories Mel, tous ensemble bien sûr, pour prolonger le plaisir de Portal. Merci à tous les amis, et à la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao.